Bonsoir Sarah. Bonsoir. On dirait que t'as un petit peu froid. Ouais, il fait froid. 4200 mètres d'altitude. Ça devrait geler à 6h du mat, demain matin. Mais là, il fait un peu frais. D'après les locaux, mais c'est pas. Une couverture, une polaire, deux polaires, un t-shirt manche longue, deux chaussettes, deux paires de chaussettes. Mais donc là, on est dans une chambre. En fait, on cherchait une auberge, quelque chose. Puis on a demandé aux locaux, eux-mêmes faisaient la moue. Il y a deux auberges, deux ou trois, selon les versions. Deux ou trois auberges dans le village où on est. Et puis, bah, les locaux avaient plutôt tendance à nous les déconseiller, donc. Il y a une auberge, la propriétaire ne voulait pas. La deuxième auberge, c'était très cradoc. On préférait camper. Voilà, donc on était parti pour camper, et puis on s'est dit, ah bah, on peut quand même aller demander aux personnes à qui on a acheté bah, les deux bouteilles d'eau, là par exemple. On s'est dit qu'on pourrait leur demander si on pouvait camper chez eux. Et puis au début, ça a été une réponse négative. Non, ça a été, il faut continuer, il faut aller plus Ouais, haut. voilà. Qu'il y avait une autre auberge plus haut. Puis finalement, ils nous ont rappelé en nous disant, oh, on peut vous héberger dans une petite chambre comme ça. Voilà, donc là on a préparé notre lit. La première chose qu'elle a fait, la petite dame, elle nous a amené trois couvertures. Donc c'est de Voilà. là, et puis celle que Sarah squatte en ce moment. Et puis nous, on a rajouté nos duvets. Voilà, ça et puis le prépare notre petit drap, lit. le sac à viande dans les duvets. Et on nous a promis de nous faire à manger ce soir, alors on va voir ce qu'on va manger. On va être malade demain. On nous a dit, vous occupez pas du dîner, on le fait pour vous. Bien. On verra demain. Demain, on va grimper un col à 4840, quelque chose comme ça.